L'histoire de la gastronomie, les personnes elles ont seulement pensé que le produit doit être bon. Maintenant, nous n'avons pas le propre, c'est-à-dire le respect pour les environnements et les justices sociales, il manque la qualité alimentaire. Carlo Petrini, kazetari, soziologo eta kritiko gastronomiko italiarra, Slow Food fundazioaren sortzaile eta buru izateagatik da ezaguna. Berarekin hitz egin du Sustraiko Lina kazetariak. Parce que pour produire de manière intensive, si nous allons à perdre la fertilité du sol et l'eau et la biodiversité, nous allons à réaliser une injustice générationnelle. Dans notre société, nous avons perdu la sensibilité et le souvenir de la famine. Notre ancienne, qui la connaît, la famine, elle est plus respectueuse de la nourriture. Nous avons détruit la pile d'être paysan, la pile d'être producteur. Nous avons pensé que c'est un métier mauvais, ancestral, pas digniteux. Si le paradigme, c'est que la nourriture, elle doit coûter très peu, nous avons besoin de production intensive. Et la production intensive intéresse pas si respecte les environnements. La crise anthropique que nous allons traverser dans ce moment oblige tout le monde à réfléchir. Les ressources de la Terre ne sont pas infinies. Fortunatement, dans les États-Unis, que c'est le pays du fast-food, le pays des supermarchés, il a commencé une révolution douce qui va changer cette idée. J'espère que la vieille Europe retourne sur son pas et qu'il va réfléchir sur le désastre social